La CIM, c'est Paris-Orly du Havre, c'est les premiers de France, troisième gros dépôt d'Europe. Donc nous, notre but du jeu avec cette loi, c'est de la faire sauter. Donc on a décidé que plus rien ne sortirait des cuves de la CIM. Donc la CIM, il n'y a pas de camion, c'est pas des blocages comme des petits dépôts. Nous, c'est des gros bateaux. Et là, en ce moment, tout est débranché. Tout est à l'arrêt. Il y a, à l'intérieur de l'entreprise, il n'y a que des grévistes qui assurent le POI. Hein. C'est un plan obligatoire d'intervention. En cas de feu, on est d'accord avec notre direction. S'ils font tourner, la direction prend, on ne rentre plus. Donc à l'heure actuelle, là, tout est bloqué. On attend, parce qu'il y a Total qui sont en grève. Eux, ils n'ont plus rien à raffiner, c'est clair. ExxonMobil, qui ne peut pas se mettre en grève parce que c'est la CFDT qui est là-bas, il ne reste plus que 2 jours de capacité à raffiner. Le bateau du 8 qui est au poste 8 qui est là, c'est pour Exxon. C'est pour Exxon. Notre but du jeu, c'est plus les alimenter ou qu'ils ferment leur raffinerie. Comme ça, ils vont comprendre qu'il faut qu'ils viennent nous rejoindre dans la lutte. Parce que moi, on nous dit que c'est le premier syndicat de France. C'est le premier syndicat de France pour moi qui ne reprend plus le personnel. Quand un syndicat est d'accord avec un gouvernement, pour moi, ça devient un parti politique, c'est plus du syndicaliste. Le syndicaliste, c'est d'abord les ouvriers, nos intérêts, nous, améliorer la société. Voilà, voilà c'est ce qu'est la CIM aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est bloqué, on est sur un point stratégique, puisqu'on est dans une zone d'activité intéressante. C'est-à-dire que pour passer à la CIM, il faut des badges. D'abord, c'est le territoire des dockers et des ports autonomes, et le nôtre. Donc on a décidé de faire des rêves calmes, parce qu'on ne va pas mettre le RIF à tout à le feu. Quoi. On ne va pas mettre le feu au bac, parce qu'en face, il y a la population du Havre, et ça, on l'a sur nous. Ça, c'est nous, on a sur la sécurité du coup, de la population du Havre. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur la CIM. La CIM, il y a 290 salariés. Sur les 290, on est 195 ouvriers, et on est à 87% de taux de syndicalisme. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui. Et il n'y a que la CGT, on est bien content. Il n'y a pas de division là-dedans, il n'y aura pas de bavière, il n'y a que la CGT. On en est fiers. Là, on a eu le coup de pression parce qu'il y a eu fausse, et qu'ils ont été dégagés par la police. Donc, on croyait que ça allait être pareil au rêve, chez nous. Et chez nous, s'ils font, ça ne sert à rien, il n'y a pas de camion. Tout passe par pipeline. Donc, même si j'ai nous dégagé, de toute façon, ça sera pour faire rentrer qui? Les non-gravistes. Si les non-gravistes rentrent, nous on rentre. Et tôt ou tard, il va falloir qu'on retravaille ensemble. Donc, ils ne touchent pas notre outil de travail. Nous, ils vont pas, même s'ils nous réquisitionnent, comme disait M. Valls, sur la loi, alors que ce n'est pas vrai, parce qu'il y a l'OIT, l'Office international du travail, qui a condamné la France en 2010, parce qu'ils voulaient nous réquisitionner. Ils n'ont pas le droit de nous réquisitionner. Le soutien qu'on a besoin, bon, il y a les dockers, parce qu'on est sur leur site. Hein, il faut qu'on traverse d'abord leur site pour aller à la cible. Donc les dockers, il n'y a pas de problème. Port autonome nous soutient. Puis je crois que tous les syndicats du Havre nous soutiennent. Donc le soutien, nous, c'est plutôt pour le moral qui vient nous voir. Au contraire, un petit peu festif. Les gens passent, les gens vont. C'est impeccable. Nous, s'il y a de la baston, de toute façon, ça ne sera pas notre faute. Ça sera les forces de paix qui nous ont envoyés. Et là, on a eu les dockers, on a eu Dressé à France, on a eu. Il y a des tas d'usines qui sont venues nous ouvrir pour nous soutenir. Donc nous, c'est ouvert toute la nuit. On a un accord avec le port autonome, hein, les gens du port, le syndicat CGT du port, nous autorise à rentrer les entreprises extérieures, à condition qu'ils restent calmes et responsables. Hein. Parce que là-bas, c'est quand même un signe hyper dangereux. Aujourd'hui, on est en dictature. Dans une dictature, c'est normal que la population se défende. Puis nous, il est hors de question de prendre les gens en otage. Les gens qui sont pas contents avec la bagnole, ils ont qu'à descendre. Ils viennent avec nous, puis ça durera pas longtemps. Voilà ce que je dis à la population française. C'est pas, ça sert à rien de crier, là. Hey, les gravistes, non. Vous descendez de votre bagnole, vous venez avec nous, et les 5 millions de chômeurs, ils sont où, je sais pas. Alors peut-être que la loi au travail, ça leur fait peur, mais l'embauche, ils devraient être avec nous. S'il y a 5 millions de chômeurs dans la rue, ça va changer toute la chose. Et oui, parce qu'on a un précédent. On a le CPE. Il avait passé 49-3, puis on l'a viré. 95, on a gagné, l'autre aussi. 2010, on n'a pas gagné. Parce que notre centrale, la CGT, qui était M. Thibault, a 2 jours après décidé d'une grève nationale, on gagnait. Bon, il n'a pas fait. Nous, on en a tiré conséquence. Chez nous, ça a eu pour conséquence que les jeunes, ils ont vu comment mener une grève. Et on a gagné énormément de syndiqués.
Donc dans toutes les fêtes, il faut tirer des leçons pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tous les jeunes qui sont là, les anciens sont partis, et on a 95% de gravistes sur le tour de l'entreprise. Et on ira loin. Et ça, c'est clair. Nous, le but du jeu, c'est pour la grève. C'est pour la grève. C'est d'enlever cette loi. C'est cette loi qui est féon, là. Qui a foutu des millions de gens au chômage. Et nous, c'est ça qu'on veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un avenir pour les enfants. J'arrive à 60 ans, je peux partir en retraite, je pourrais dire je suis tranquille. Mais j'ai pas envie d'avoir mes enfants, moi, dans 7 mois, qui n'auront rien à bouffer, que c'est moi qui ai fallu mourir. Moi, je travaille pour avoir une retraite tranquille, pour pouvoir avoir tout le monde chez moi. Merci. Voilà. Merci.